Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Lunish Matrifka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Rav Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Zara Bat Mazal Tov Shishporti, Shgi Yaakov Ben Blanche Rajaj, Chaim Leo Ben Shalom Louski. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Bavatra Perek He Mishnah Zain. Hamocher Perot Lachavero, Mashach Velo Madad Kana. Madad Velo Mashach, Lo Kana. Et Maya Pikeach, Socheret Mekoman. Alokeach, Pishtan Mechavero, Arezo Lo Kana, Achital Telenu Mimakom Lemakom. Et Maya Mechubar Akarka, Betalash Kol Sheu, Kana. On a une Mishnah devant nous, un vrai petit bimant de Cayenne. Elle a l'air inoffensive, courte, on pourrait la lire, la traduire et finir même en 2-3 minutes, mais il y a de quoi allonger énormément. On a ici une Mishnah qui va nous présenter toutes les Ilchot Kinyanim. Histoire de ne pas parler dans le vent, on va traduire d'abord la première partie, quasiment la quasi-totalité, toute la Mishnah en fait. Et on lit, ensuite on reprendra et on réexpliquera. Amocher Perot Lachavero, celui qui vend des fruits à son ami. Des fruits, des céréales. Machar Velomadad, s'il a tiré, mais qu'il n'a pas mesuré, Kana, il aura acquis. Madad Velomachar, par contre, s'il a mesuré, mais qu'il n'a pas tiré, donc fait l'acte d'acquisition, Lo Kana, il n'aura pas acquis. Et Maya Picard, s'il était intelligent, futé, Socheret Mekoman, il louera leur place, le lieu où ils sont entreposés. Alokar Pishtan Mechavero, par contre maintenant on parle d'un deuxième cas, on ne parle plus de fruits, mais on parle de Pishtan. Pishtan c'est le lin se présente sous forme de longues tiges. Donc Alokar Pishtan Mechavero, celui qui acquiert, qui veut acquérir le lin, donc les tiges de lin de son ami, Areizelokana, il n'aura pas acquis, Achietaltelenu Mimakom Lemakom, jusqu'à qu'il déplace ses tiges d'un endroit à l'autre. Et bien sûr, c'est le flou total. On est obligé d'introduire les Ilchot Kinyanim, un sujet assez vaste qui se retrouve à la fois dans Baba Batra et dans Kiddushin. C'est deux grosses sugyotes qu'il faut compiler en même temps pour en tirer les principes. On va, Bezrat Hashem, essayer quand même de présenter quelques principes essentiels. Lorsque l'on achète un bien mobilier, le bien mobilier s'acquiert avec trois formes. C'est-à-dire, il faut concrètement, après tous les pourparlers, avoir fixé le prix, avoir décidé les conditions et tout ça, il faut ensuite passer à l'acte qui va conclure la transaction. Que dès lors, plus personne pourra se rétracter. C'est fini, c'est acquis. Ce qui était à toi, c'est passé à moi. L'argent que je te devais maintenant, l'argent qui était à moi, maintenant je te le dois. D'accord ? Il faut un acte d'acquisition. Tant qu'on n'a pas fait cet acte d'acquisition, c'est une notion qu'on a déjà découverte, qu'on a déjà expliqué dans Baba Metzia. Tant qu'on n'a pas fait l'acte d'acquisition, on peut encore se rétracter, mais dès qu'on a conclu l'acte, tu es devenu maintenant possesseur de mon objet et tu me dois maintenant ton argent, c'est l'acte d'acquisition. Maintenant, comment est-ce qu'on concrétise une acquisition? Alors, la manière la plus optimale, c'est qu'une fois qu'on a parlé du prix, ouais, tu prends l'objet, tu rentres chez toi à la maison avec et tu l'as acquis. D'accord? Maintenant, prendre l'objet et rentrer chez soi à la maison, c'est une histoire qui prend 10 minutes, c'est énorme. En réalité, on n'est pas obligé de s'étaler tellement. On peut condenser cet acte en faisant un acte beaucoup plus que symbolique, en fait. Faire le début de l'acte de le prendre, en le prenant, en l'entrant, en le faisant entrer dans notre possession. De quelle manière? Alors, le meilleur des kinyanim, comme on va l'expliquer pourquoi c'est le meilleur des kinyanim, c'est de faire l'agba, soulever, dès qu'on soulève de un tefar. Ouais, là, je crois qu'elle retient un tefar. Il y en a qui disent que c'est trois tefar, mais en tout cas, on retient un tefar. C'est-à-dire, je veux te vendre cet objet. On a dit que je te le vends à 10 shekels. Alors, depuis le moment où tu le soulèves, avec intention donc de concrétiser l'acte, c'est-à-dire, tu fais l'acte symbolique que, par lequel tu vas commencer à le prendre pour rentrer chez toi à la maison, depuis le moment où tu le soulèves de un tefar, il est devenu à toi, et puis maintenant, tu me donnes les 10 shekels. Tu peux plus me dire non, tu veux pas, tu annules la vente, et tout ça, c'est trop tard, tu l'as acquis. Tu l'as acquis, on a conclu, tu me dois l'argent et tu gardes l'objet. Ça, c'est l'acte de Hagba'a. Il y a maintenant une deuxième sorte de Hagba'a, c'est de faire ce qu'on appelle la Meshicha. Par exemple, lorsque l'on vend une vache, un éléphant même, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire la Hagba'a d'un éléphant, c'est un peu dur. L'Agmal propose une solution, entre parenthèses, dans Kiddushin, le faire sauter. Mais concrètement, en tout cas, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire l'acte d'acquisition de Hagba'a. Alors quoi? Il y a une autre solution de faire, c'est lui faire ce qu'on appelle la Meshicha. On le tire. Là, on reste encore dans l'acte symbolique de le prendre et de l'amener chez soi à la maison, sauf qu'au lieu de le prendre et de le faire entrer dans sa main, hein,
Alors maintenant, on va commencer à le traîner dans la rue, on va ensuite préciser dans quel type de lieu exactement. Et par là, on va représenter le fait que maintenant, c'est moi qui l'amène déjà chez moi à la maison. C'est important tous ces petits mots que je vous explique pour comprendre un petit peu le cœur des halakhot qu'on va préciser ensuite. D'accord ? Pour le moment, donc, on retient ces deux manières d'acquérir. La hagba'a et la meshicha. Hagba'a, donc, les hagbia, comment on fait la hagba'a du Sefer Torah ? On lève. Hagba'a, c'est on soulève. Meshicha, limshor, tirer, c'est qu'on tire l'objet. Maintenant, il y a deux précisions importantes à préciser. Où faire, où ces actions fonctionnent, où ces actes d'acquisition, dans quel lieu ces actes d'acquisition fonctionnent, et face à quel type d'objet ces actes d'acquisition fonctionnent. Où d'abord, la question du où. Tout d'abord, je vous ai dit tout à l'heure que la Hagba'a, c'est le meilleur des canyons, parce que la Hagba'a kona bechol makom, quel que soit le lieu, quel que soit l'objet, si toutefois on réussit même à lever une voiture, ou à lever l'éléphant, l'Agba, c'est le meilleur des kinanim. Quel que soit le lieu où on est, le simple fait de l'avoir soulevé de un tefar fait que maintenant je deviens possesseur, quel que soit le type d'objet et le lieu où on se trouve. C'est le meilleur des kinanim, on est astreint par rien du tout. D'accord ? Agba, konam, chomakom. Par contre, donc le fait de lever. L'acte de meshicha, de tirer, alors là on est très limité à la fois sur le type d'objet et sur le lieu où ça se passe. Je préfère commencer à présenter d'abord le problème du lieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'acte d'acquisition, c'est plus qu'un symbole. C'est le fait de déjà faire entrer l'objet dans sa possession par le fait qu'il est déjà dans ma main. Alors, il y a des objets que je réussis à faire entrer dans ma main, mais il y a des objets qui sont tellement volumineux, lourds, que je ne peux pas les faire entrer dans ma main. Alors, on va concrétiser le symbole de le faire entrer chez soi, cette fois-ci. De le faire entrer chez soi, de quelle manière ? En l'amenant dans un endroit qui peut, que j'ai le droit d'utiliser pour entreposer mes affaires. En l'occurrence, toutes sortes de voies semi-publiques, qui sont des lieux de passage, certes publics, mais où j'ai le droit d'entreposer ma marchandise. À différencier de la voie publique, on le précise ensuite. D'accord ? Par exemple, dans n'importe quelle petite impasse, j'ai le droit là-bas de laisser momentanément, même pour un jour, deux jours, de laisser mes fruits poser. Personne ne peut me dire « Ah, j'ai envie de passer, t'as qu'à passer à côté. » C'est pas un lieu qui est tellement fréquenté par du monde. Donc j'ai un droit de laisser les objets poser. De ce fait, puisque j'ai le droit d'emprunter le lieu, j'ai le droit d'utiliser, de ce fait, je peux faire l'acte de meshicha, de tirer l'animal, de tirer l'éléphant là-bas par exemple. Le fait de marcher dans la cinta, dans l'impasse, avec l'éléphant, on va faire que maintenant, ça va être comme si que maintenant, ce lieu maintenant, je vais l'utiliser pour moi, donc je fais entrer l'éléphant chez moi. Vous vous rappelez, je vous ai dit, l'acte primaire d'acquisition, c'est de le prendre, de l'amener chez soi. Et bien là, on a symbolisé le fait de le faire entrer chez soi par le fait que, dans l'impasse, j'ai le droit d'utiliser mon droit. Donc, je le fais entrer quelque part chez moi. J'emprunte cet endroit pour le tirer. Ça, c'est l'acte de Meshicha. Face à quel type d'objet marche l'acte de Meshicha ? Tout objet que l'on ne peut pas faire Hagba'a, qui est trop imposant pour faire l'acte d'Agba'a. Il y a des grandes règles. En tout cas, un objet très imposant. D'accord ? Donc maintenant, on synthétise pour le moment ce qu'on a dit. C'est pas compliqué. Ouais, c'est bien présenté. Je sais, je présente très bien les cours. Il y a Agba'a. Non, j'ai très bien étudié ce sujet il y a quelques années. J'ai vraiment passé un an à étudier toutes les lechot kinyanim. L'équivalent de 26 manim dans le prochain Mishpat. Et voilà, donc on reprend encore une fois l'acte de Agba'a. Et l'acte de Meshicha, Hagba'a, soulever. Hagba'a, ça marche pour tout, c'est le meilleur des kinyan dès qu'on soulève un objet. Quand je dis c'est le meilleur des kinyan partout, ça marche même lorsqu'on est dans le reshoot, dans la propriété du vendeur. Même chez lui, le simple fait de soulever, c'est que maintenant ça m'appartient, c'est dans ma main, c'est plus chez lui. Tandis que l'acte de Meshicha, le fait de tirer, on est limité d'abord uniquement pour un objet qui est très imposant que l'on ne peut pas lever. Et en plus de ça, uniquement dans un endroit que j'ai le droit d'utiliser, à exclure donc la voie publique. Sur la voie publique, on n'a pas le droit de laisser en entreposer des choses. La voie publique, la vraie voie publique, où tout le monde marche, c'est un lieu où les gens marchent, t'as pas intérêt à laisser poser des fruits, sinon d'abord tu oses me faire glisser, t'as pas le droit de tous les côtés. D'accord ? Donc c'est pas un lieu où la meshicha, l'acte de tirer l'objet, puis peut marcher. Et à exclure aussi la propriété du vendeur. Et alors là, ça va toucher ensuite à la suite de la Mishnah. Mais juste, on jette pour le moment l'idée générale. Dans la propriété du vendeur, ça appartient à lui. C'est une grande règle. Lorsque je veux acquérir un objet qui t'appartient, je dois l'arracher de chez toi pour le mettre chez moi.
maintenant, le mettre dans ma main, ça s'appelle que je l'ai mis chez moi, il n'est plus chez toi. Mais quand on fait une meshicha, alors c'est vrai qu'il est en ce moment dans, tiré par moi, mais il est où concrètement l'objet? Il est resté chez toi, je ne l'ai toujours pas acquis. D'accord? La meshicha ne marche pas. Ça, c'est les deux points essentiels qui vont être rapportés dans le Mishnah, dans les deux règles de Kinyanim. Maintenant, j'introduis encore un troisième Kinyan qu'on va tout de suite avoir besoin. C'est le fait de louer un objet. On a déjà évoqué la notion de Chatzero Shaladam Konalo. On l'a évoqué dans le premier Perek de Baba Metzia. Chatzer, Kinyan Chatzer, le fait d'acquérir avec sa cour. Ma propriété est un bon moyen d'acquérir les choses. On avait rapporté l'exemple du billet qui arrive de un oiseau qui avait volé un billet, qui le fait tomber chez moi, qui avait volé un billet FKR. Il le fait rentrer chez moi, il le jette. Le simple fait que le billet arrive chez moi, qu'il va y rester. Ma propriété, mon bien immobilier est un bon moyen d'acquérir au même titre que s'il tombait dans ma main, je l'acquérais. S'il tombe dans ma propriété, je l'acquiers. Chatser mishum yad, mishum shlichut. Il y a des grandes sugas dans ma métier. D'accord? C'est clair? Maintenant, de ce fait, de là va découler que lorsque je suis dans votre propriété, si je vais acquérir quelque chose d'important, de conséquent, et que je ne peux pas faire l'acte de meshicha, parce qu'il faut que je me mette à le tirer jusqu'à ce que je vais sortir dehors, c'est trop fou, comment je vais faire? J'ai une solution simple, c'est de vous louer l'endroit, de louer l'endroit où sont entreposés les fruits. D'accord? C'est-à-dire, je suis en ce moment dans ta propriété, chez toi, je veux acquérir ce standard, j'ai pas la force de le lever, j'ai pas la force de le soulever, je peux pas le tirer, parce que de toute façon on n'acquiert pas un standard en le tirant, puisque c'est quelque chose qu'on peut lever, donc tu es obligé de le lever. Et bien j'ai une solution simple, c'est que tu vas à l'endroit où ce qu'il est posé, prends même un petit shekel symbolique, même, je te loue l'endroit où ce qu'il est entreposé pour 4 secondes, dès que je l'ai loué, j'ai acquis le standard, il a été pris dans ma possession, et maintenant je l'ai acquis, d'accord? Le principe, il est clair. Maintenant, on peut... Non, il faut introduire encore une dernière petite notion maintenant. Mais cette fois-ci, c'est totalement annexe. C'est... Oh, ça va être compliqué, ça va faire trop de données d'un coup. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est la notion de mesurer et pas mesurer. Quelle est l'importance de préciser ça? Tout d'abord, lorsque l'on va... Supposons que, par exemple, j'ai toujours l'habitude de venir toutes les semaines même acheter chez vous du blé. Et chaque fois, il y a un prix différent, bien sûr, ça dépend du cours, ça dépend combien il a voulu se débarrasser de sa marchandise. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire combien le prix exact du blé va varier d'une semaine à l'autre. Eh bien, si je viens maintenant pour acquérir de nouveau du blé aujourd'hui, et il reste juste 10 kilos par terre, par exemple, je dis, oh là là, avant que quelqu'un vienne les prendre, je les prends, je les soulève, et ensuite, je les repose, par exemple. Ouais, maintenant, est-ce que j'ai fait un acte d'acquisition sur ce blé ou pas? Réponse, non. On n'a pas fixé le prix encore entre nous. On n'a pas fixé le prix, ça implique que peut-être que vous allez me proposer un prix exorbitant et que ça, on va pas réussir à s'entendre. De ce fait, le blé ne m'appartient pas. Si finalement, vous, après avoir appris que j'ai fait le masekinyan, l'acte d'acquisition, vous décidez de vous rétracter, vous avez encore le droit de le faire. Par contre, à la différence du cas où on a un prix fixe au kilo, mais on ne sait pas, hein. Vous voulez me vendre tout ce gros sac de blé, tout ce qu'il y a dedans, et on va être obligé de le mesurer. Maintenant, pour le mesurer, on va avoir, par exemple, un ustensile gradué, qu'on va verser de le blé pour voir quelle est la mesure. Alors, la Mishnah va nous enseigner, justement, cette notion de mesurer et pas mesurer. Même si on n'a pas fini de mesurer le blé, puisque c'est un prix fixe, et qu'on ne sait pas donc combien je vais devoir payer, mais le simple fait de le verser... De le verser dans un ustensile qui m'appartient, ou bien même. Excusez-moi, j'ai un peu de. D'accord, on a fixé. Je reprends sur ce petit détail là, encore une fois. On a fixé que par exemple, vous allez me vendre tout ce blé à 5 shekels le kilo, mais on ne sait pas combien il y a de kilos. On n'a pas encore mesuré. J'ai un peu mélangé deux cas, donc laissez de côté, je recommence encore une fois. D'accord, on a décidé que je vais acheter ce sac de blé, on ne sait pas combien il y a dedans, 5 shekels le kilo de blé, je le soulève. On ne sait pas combien je vous dois, c'est vrai, mais on a un prix fixe. Et tout le monde va savoir, on va tous savoir combien je vous dois dès qu'on va le poser sur la balance. Donc de ce fait, j'acquiers l'objet. D'accord? On a plus ou moins tout dit. Il y a encore une autre précision à dire, mais cette fois-ci ça va faire trop si je vous la dis tout de suite. On commence à lire et traduire maintenant. Hamocher perot la chavero. Celui qui vend des fruits, des céréales à son ami. Et l'ami, donc l'acheteur, machar velo madad. Il a tiré le sac des fruits,
mais il n'a pas mesuré. On ne sait pas combien il doit, parce que concrètement, on n'a pas mesuré combien de fruits. Mais on est capable, malgré tout, de le savoir, parce que c'est quelque chose de clair. Il y a un prix fixe, là, il y a un prix fixe, et il y a un poids fixe. Il faut juste le mettre sur la bonne balance. Et donc, Cana, il aura acquis. C'est clair pour le moment. Tout va très bien. Baruch Hashem. Et on continue maintenant avec le deuxième cas. Et là, ça va requérir de nouveau un petit jeu encore. Madad velo machar lo kana. Par contre, s'il a mesuré, mais qu'il n'a pas fait la meshicha, il n'aura pas acquis. C'est-à-dire, d'abord, j'explique. Madad, c'est qu'il a mesuré. On a, bien sûr, fixé le prix. Et on a aussi commencé à mesurer, mais l'acheteur n'a pas fait l'acte de meshicha. Vous allez me dire, mais quoi, s'il est en train de mesurer, donc il a soulevé. La réponse, elle est, le partenaire va nous le dire, vous pouvez déjà le dire, le premier mot. Madad hamocher, le vendeur. Donc, moi je viens avec mon ustensile, ou, ouais, moi je viens pour acquérir. On a fixé que tu vas me vendre le blé à 5 shekels le kilo. Tu commences à prendre maintenant le sac de blé pour voir combien est-ce que je te dois. Il s'avère que je n'ai toujours pas fait l'acte d'acquisition. La Mishnah nous enseigne, Madad velo machar, il a mesuré le vendeur, tandis que l'acheteur, lo machar, il n'a pas tiré, il n'a pas fait l'acte d'acquisition, lo kana, il n'aura pas acquis. D'accord ? On lit tout de suite la suite aussi, et après on apporte une précision importante. Imaya pikiach, maintenant. Si l'acheteur, lui, il sait très bien que aujourd'hui, c'est la fin des haricots. Dans quelques minutes, il n'y aura plus de blé dans le marché, on va rentrer dans la période un peu difficile où le prix va augmenter. Et je veux absolument, on a fixé un prix, je veux absolument conclure la transaction tout de suite. Et qu'on est par exemple dans la propriété du vendeur. Donc je ne peux pas faire l'acte de Meshicha chez lui à l'Akbar. On va expliquer pourquoi on ne peut pas faire l'Akbar. Donc concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour acquérir l'objet? La Meshta nous enseigne, Imaya Picard, s'il est rusé, futé, ouais, aiguisé et bien éveillé pour conclure tout de suite la transaction, il a une solution, c'est de faire quoi? Socheret Mekoman, louer leur endroit. On a fini la première partie de la Mishnah. Maintenant, une précision supplémentaire de nouveau, c'est le fait que on acquiert en tirant des céréales. On a un problème. Des céréales, on peut les lever. Donc, comment c'est possible que là, on a le droit d'acheter en tirant l'objet par le Kinyan Meshicha? Il y a un problème. Comment c'est possible? Et la solution que la Gemara propose, c'est qu'en réalité, on parle ici où c'est des objets, plein de petits éléments, comme par exemple du blé, ou même des gros cartons de pommes, où je ne peux pas me mettre à lever les pommes une par une, ni même les cajots, parce qu'en fait on parle d'un container, d'accord, à plusieurs kilos, et je ne peux pas m'amuser à les lever une par une. De ce fait, on ne va pas considérer que j'achète 100 fois une pomme, mais que j'achète un ensemble de 100 pommes, et que tout cet ensemble-là, dans ce cas-là, il pourra être acquis par le simple fait d'être mocher, par le fait de tirer, d'accord? On a fini. J'espère que ça a été clair, d'accord? Bon. Au lieu que je vous reprenne le cours, vous avez qu'à vous le reprendre tout seul, et je continue pour le moment à suivre la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, à l'okher Pishtan Mechavero. On parle de quelqu'un qui acquiert le Pishtan, donc les tiges de lin de son ami. Les tiges de lin, ce sont des objets qui sont très longs. Et la Mishnah nous enseigne « Areize lo kana acheitaltelen mimakom lemakom » Il ne les aura acquis que s'il les déplace d'un endroit à l'autre. On a un problème technique, c'est quoi cette histoire de déplacer d'un endroit à l'autre? Fallait dire, si tu veux le dire Mishicha, fallait dire Mishicha. La Gemara explique qu'on parle en réalité qu'il fait le Kinyan Hagba'a. De manière générale, lorsque je prends un objet, je le soulève et je le repose, je ne remets pas exactement au même endroit où il était, donc ça s'appelle que je l'ai mis dans un autre endroit. La Mishnah, en fait, est venue nous enseigner que tu n'acquériras les tiges de lin uniquement si tu les lèves, si tu fais le maasé kinyan hagba'a. Tu ne pourras pas faire le maasé meshicha, comme ce qu'on apprenait au début de la Mishnah, en tirant, mais uniquement en les soulevant. Il y a plusieurs explications, on va en retenir une seule, c'est celle du Rashbam, c'est quand même la plus facile. Pourquoi quelle est la différence? Regardez, on a expliqué que dans la première partie de la Mishnah, lorsqu'on parle de pommes, on a permis de faire l'acte de Meshicha parce qu'on parle d'un gros container. Maintenant, avec le lin, tu me dis non, ça marche plus de faire la Meshicha. Pourquoi? Il faut que tu le lèves. J'ai pas compris. On parle aussi d'un grand container où il y a plein de lin. Tu me fais apparemment une différence entre les pommes et le lin. Il y a une différence.
essentiel entre les pommes et le lin. Ne commence pas à me dire que cette fois-ci on parle qu'il y a un gros conteneur et là un petit conteneur. Dans ce cas-là, fallait tout laisser avec des pommes et me préciser qu'on parle d'un gros ustensile et d'un petit ustensile. Quelle est la différence, d'accord, intrinsèque du lin par rapport aux fruits? Et la Gemara, elle explique, le Rashban, comme ça, elle explique qu'en réalité, le lin, on ne fait pas des gros tas de lin. C'est des choses, le lin, même quand on en met plein d'un coup, on ne commence pas à le transporter tout d'un coup. C'est quelque chose de fragile qui peut se casser. Mais l'usage, il est de les prendre petit peu par petit peu. De ce fait, lorsque tu en as plein, plein de lin qui sont posés même, d'accord, qui sont posés en ce moment sur une planche par exemple, puisque lorsque tu l'usage de déplacer le lin, ce n'est pas de prendre toute cette planche et de la tirer, mais c'est de prendre petit peu par petit peu. Donc là, tu seras obligé de faire le Masekinen Hagba'a. J'espère que c'était clair. On reprendra de nouveau comme on fera ensuite avec le partenariat. D'accord ? Maintenant, on passe à un tout autre, une autre forme de Kinyan. Cette fois-ci, c'est le Kinyan Agav. La Mishnah, elle a tourné ça en le proposant de manière un petit peu bizarre. Et on lit, on traduit. Vimaya Mechobara Karaka, supposons maintenant que je veux acheter le lin, mais le lin qui est encore en train de pousser au sol, il est encore planté dans le sol. Mechobara la Karaka, fixé au sol. Alors la Mishnah nous propose une solution simple pour acquérir tout le champ de lin. Vetalash kolchou, il a cueilli un tout petit peu. Kana, il aura acquis. Je reprends. Vous avez un champ planté entièrement de lin. Et je désire acquérir le lin, mais sans bien sûr acquérir le champ, c'est-à-dire toutes les plantations. Alors la Mishnah me propose une solution très étrange. C'est de partir, vous me dites, ben va... cueille un petit peu de lin ici, et comme ça tu acquiers tout le reste du champ. C'est incompréhensible. Ça ne vérifie aucune règle de Kinyanim. Et la Gemara explique, alors là, c'est encore plus compliqué, c'est que la Gemara va proposer une solution qui est tellement floue que les Rishonim vont l'expliquer dans des directions très différentes. Concrètement, on va retenir juste une seule, c'est l'explication du Rambam rapportée par le Bar Tanoura. On parle en fait que regardez le ping-pong qu'il va y avoir. Ce qui va se passer, tout simplement, je vous explique, c'est que vous allez me demander de travailler pour vous, de cueillir un petit peu de lin, de manière à ce que maintenant, vous me devez de l'argent. Par le fait que vous me devez de l'argent, cet argent-là que vous me devez, je vais l'utiliser pour acquérir un petit bout du champ, de la terre, ouais, comme ce qu'on expliquait avant la Sri-Rout. Je vais maintenant devenir propriétaire de la Sri-Rout. Et par le fait que je vais devenir propriétaire de la Sri-Rout, vous allez me vendre agave, ce qu'on appelle le Kinyan agave. Vous allez me vendre aussi tout le lin qui est planté au sol, certes, mais on parle d'un lin qui est apte, prêt à être cueilli. Entre parenthèses, tout ce qui est, c'est une discussion, en tout cas, comme ça le Bartano rapporte au nom du Rambam, tout ce qui est apte à être cueilli est considéré comme déjà cueilli, même lorsqu'il est planté. Ça, c'est l'introduction annexe. La grosse introduction, d'abord, à bien comprendre pour ça, c'est le Kinyan Agav. C'est quoi un Kinyan Agav? C'est que, on a introduit tout à l'heure que lorsque l'on fait une acquisition, on est obligé de faire un acte d'acquisition. Si on fait un acte d'acquisition sur un bien immobilier, il y a des règles qu'on apprend dans le troisième Perek, Kinyan, Shtar, Chazaka, faire un Maaseh Chazaka, en tout cas pour l'acquérir. Il y a des manières de procéder. Lorsqu'on achète un bien mobilier, on a appris maintenant dans cette Mishnah qu'il y a aussi d'autres moyens, soit l'Agba, soit la Mishira, il y a peut-être encore une autre, la Messira. En tout cas, il y a d'autres procédés. Il y a un Kinyan de très particulier. D'abord, auparavant, lorsque vous voulez me vendre deux stylos, si je fais l'acte d'acquisition sur un et pas sur l'autre, j'aurai acquis lui, mais j'aurai pas acquis l'autre, parce qu'il faut faire deux fois l'acte d'acquisition. Eh bien, il y a une règle spéciale, c'est que lorsque l'on vend un bien immobilier avec un bien mobilier, on a la possibilité de vendre les deux choses, les deux entités, en faisant l'acte d'acquisition uniquement sur le bien immobilier, en acquérant agave. Par la même occasion, dans la lancée, on acquiert aussi le bien immobilier par l'acte d'acquisition sur le bien immobilier. Le bien immobilier est tellement important, conséquent, qu'on a la capacité de dire, tu sais quoi, tout devient annexe à côté de lui et sera vendu naturellement par l'acte d'acquisition sur le grand. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le Kinyan Agave. Agave, Bederech Agave. Dans la lancée, dans la volée. D'accord ? C'est le Kinyan Agave. Selon ce principe, maintenant, on reprend un petit peu le ping-pong là qu'on a fait. C'est que,
Le champ de lin, je veux le cueillir. Le lin, il est considéré comme déjà cueilli parce que c'est du lin à point. Il a déjà, même s'il est encore planté, mais il a déjà séché. Et puis maintenant, donc, il est considéré comme déjà cueilli. Donc, c'est un bien mobilier. Alors, la solution, elle est en théorie, je pourrais très bien sortir un shekel, vous dire, j'achète une petite dalle de 4 amot sur, de 4 tfahim sur 4 tfahim, avec un shekel, vous me le louez pour une seconde uniquement. Au moment où je l'acquiers, j'acquiers Beder Chagav tout le lin. Maintenant, même la petite pièce de 1 shekel, je ne l'ai pas sur moi. Alors, vous me dites, tu sais quoi, fais-moi un petit travail pour l'équivalent de 1 shekel. Comment ? Cueille-moi ici le lin, défriche-moi un petit peu le lin qui est ici planté, comme ça tu vas m'améliorer mon champ, que maintenant il va être prêt à ce que je vais pouvoir cultiver d'autres cultures, d'autres céréales dessus. Donc je vais venir travailler pour vous en cueillant 2 tiges de lin. Maintenant vous me devez le fameux shekel. Par ce shekel, c'est aussi tout un jeu comment ça fonctionne, mais bon, concrètement on va pas trop arranger dessus. Parce que maintenant j'ai travaillé pour vous pour un shekel, et ben je vous dis, ben vous savez quoi, garde le shekel. Garde le shekel, comme ça j'acquiers le lieu du champ, puisque maintenant j'achète un bien immobilier, même pour une seconde. Vous pouvez me vendre Beder Agav, Bekinan Agav, dans la lancée. Vous me refourguez aussi tout le lin qui est un bien immobilier qui est vendu en même temps. Je suis sûr que je vous ai usé pour aujourd'hui, donc on va arrêter d'insister. Et maintenant on reprend la Mishnah avec le Bar Tanora. Amocher Perot Lachavero. C'est des notions très complexes. Si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment, c'est beaucoup de travail pour comprendre et assimiler toutes ces notions. J'ai dit, j'ai vraiment étudié ça pendant un an ou un an et demi, 4 heures par jour en chavruta. C'est du boulot quoi pour y arriver. Amocher perot lachavero, celui qui vend des fruits à son ami. Alors on avait vu qu'il fallait être mocher, tiré. Le Bar Tanora nous dit Mirshut Arabim Besimta. Il y a un petit problème, il faut dire les Simta. Attention, Tov qui parle aussi. En tout cas, il attire deux. On suppose que les fruits étaient sur la voie publique, par exemple. Alors il faut les tirer de la voie publique jusqu'à la Simta, jusqu'à que l'on entre dans la petite impasse. Oh, Bechatzer Sheshneem. Ou encore, il y a encore une autre solution que je n'ai pas évoquée, mais c'est la cour qui est en copropriété entre le vendeur et l'acheteur. Là-bas, on a la possibilité de faire l'acte d'acquisition de Meshicha. Aval Meshicha Birshut Arabim Loman. Et par contre, faire l'acte de Meshicha, de tirer, sur la voie publique, ne marche pas, comme on l'a expliqué. Av Alpi Shalom Adad. Regardez, la Mishnah nous a précisé que s'il a fait, il a tiré, même s'il n'a pas mesuré, Bekegon, attention, on parle du cas, je sais pas ça, Klomit Echila Adamim. Il a fixé depuis le début la valeur. Bekar Vekar Iten Lo Amida. Ainsi et ainsi, à tel prix, il lui donnera la mesure. Avallo pasaklo adami, par contre, s'ils n'ont pas fixé le prix. Afelo madad umashach lokana, même s'ils ont mesuré et qu'il a fait l'acte d'acquisition de tirer, il n'aura pas acquis. Delo samcha datayu, shamocher echol alot adamim. Delo samcha datayu, parce qu'ils n'ont pas conclu dans leur tête l'acquisition encore, la transaction, pourquoi? Shamocher echol alot adamim, kumoshe rotse. Ici, le vendeur, il a la capacité, le droit de me sortir à un prix exorbitant, et donc j'aurai le droit d'acconner au maire et n'y connaît, la bézole. Et l'acheteur aura le droit de refuser l'acte. Donc finalement, il n'y a aucune transaction conclue tant qu'ils n'ont pas fixé le prix. Madad, par contre, le deuxième cas, c'était Madad Velomachach. Attention, on avait précisé, Madad, c'est qui mesure? Amocher, c'est le vendeur, parce que si l'acheteur, il mesure, alors l'acheteur, depuis le moment où il va mesurer, il va forcément lever le sac. Depuis le moment où il va lever le sac, il va l'acquérir. La lokeach birshut arabim. Avala madad amocher la lokeach birshut arabim. Par contre, si le vendeur a mesuré pour l'acheteur que lorsqu'il était dans le reshut arabim, ouais, il y a encore un autre petit détail qui parle de madad, mais je ne peux plus ranger dessus. Afilo kelav shel lokeach lokana. Même si c'est les ustensiles de l'acheteur lokana. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas parlé, je vous le dis tout de suite. Sans rentrer dans les détails, mais c'est la capacité, autant qu'on peut faire un kinyan chatser, acquérir avec. Mais mon bien immobilier, je peux aussi acquérir avec mon bien mobilier si ce stander il est à moi. Si vous voulez me donner quelque chose en le posant sur mon stander, je l'acquiers. Il y a bien sûr d'autres règles, ça dépend où le stander sera posé, c'est le problème du bantanois. Chez Enkelav, chez la dame, c'est ce qui traduit tout de suite, Enkelav, chez la dame, konim lo birshut arabim. Les ustensiles d'un homme n'acquièrent pas lorsqu'ils sont posés dans le reshut arabim. Vim lo kachatz, madad. Maintenant, le bantanois nous précise à ce qu'on avait dit à l'oral, si l'acheteur lui-même est celui qui va mesurer, alors dans ce cas-là, fil brochet arabim kana bagba, même si l'on est sur la voie publique, l'acheteur aura acquis par le simple fait que lorsqu'il a voulu acquérir les fruits pour les peser, il aura forcément soulevé, alors là il aura acquis.
Oui, mais il a piqué, maintenant, s'il était futé, alloqué à l'acheteur, alors il a la solution de socher et mekomo, louer l'endroit. Il m'a birchut balim, dans le cas, bien sûr, où il est dans la propriété du vendeur. Alors il va lui demander de lui louer l'endroit. Ou mekomo konelo, et dans ce cas-là, il pourra acquérir grâce au lieu, le kien khatser, donc. Maintenant, le Barthélemy nous précise sur toute la Mishnah qu'on vient d'apprendre. Ubemasot gdolot aire. Attention, on parle de charges qui sont importantes, grandes. Den darkan lagbia, que l'on n'a pas l'usage de les soulever. Les karkan et bimshicha, c'est pour ça qu'il acquiert en les tirant. Par contre, avec le pishtan, le lin, les tiges de lin, alors là, il faudra forcément chetaltenu. C'est quoi chetaltenu qui devra les déplacer? Hainu agba'a, c'est de les soulever. Alors pourquoi tu me dis de les déplacer? Tel est l'usage que de derech magbia le taltel mi makom la makom. Lorsque tu veux soulever, tu soulèves et tu poses forcément après. Veimaya mechubar la karka. Maintenant, le Barthélemy nous projette directement sur la fin de la Mishnah que le lin il est encore fixé au sol. Bagmara mokela. Dans la Gemara, on établit cette phrase là bizarre, étrange, comme on expliquait que c'est flou, ça n'a aucun sens, ça répond à aucune règle. Kegon, on parle du cas en fait. Shamar lo mocher la lokeach, que le vendeur a dit à l'acheteur. L'air veyapeli karka kolchou. Va s'il te plaît, améliore-moi, fais-moi un travail dans le karka kolchou, sur un petit bout de mon champ. Vekane, vekne kol mache alea. Et acquiert par cela tout ce qu'il y a posé ici. Posé, donc là, les tiges plantées qui sont en fait considérées comme coupées du sol. De kevan shescharo la asot menacha bakarka shelo. Que dans ce cas-là, on a gagné que quoi? Étant donné qu'il a employé pour faire un travail sur son champ. Alors, ve'asabo melacha kol she'u, et que maintenant, il a concrétisé ce petit travail, kanas riroto, il aura acquis son salaire, ve'kana nami, il aura acquis aussi, oto davar shirotze laknot lo imas riroto, il aura aussi acquis en même temps toutes les autres choses qu'il veut lui vendre, en même temps que la sriroute. Il y a un problème, c'est que les ficar, d'abord on finit, les ficar, c'est pour ça qu'il a le moyen d'acquérir tout ce qu'il y a dans le champ, en cueillant uniquement une petite tige de lin. Le Barthélemy ne nous a pas précisé le kinyan agave, mais c'est le Tosot Yom Tov qui le rapporte au nom du Rav Amagid, le Magid Mishneh sur le Rambam qui explique ça comme ça. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.